sont arrivés chez nous. Oh, j'accompagne un charmant monsieur, n'est-ce pas, très élégant, tout à vos côtés. Et cette belle bête, hein, n'est-ce pas? Et tout plein de belles mécaniques, tout plein de belles. Ça me plaît, tout ça. Regardez-moi ça, ce profilé, cette couleur, ce confort. En tout cas, ce rassemblement, il est vraiment super. Ça va être une journée extraordinaire. Tout ce qu'on aime. Absolument. Tout ce qu'on aime, mon cher. Ah. Et plus encore. Plein de surprises. C'est vrai. De l'élégant. Ça, non, de vous, ça ne m'étonne pas. Petite journée du scooter que nous avons créé là était dans le but avec l'association Federbe juste de faire voir aux gens que toute une époque et essayer d'amener la réminiscence d'un moment de vieux véhicules qui passent, des vieilles voitures, des vieux scooters, des gens habillés en habits d'époque et d'amener un petit peu ce caractère rétro 40, 50, 60 aux gens, aux passants, aux commerçants, à tout le monde. Pendant un petit instant, pendant cette journée à Paris 11e, c'est évident que voir plein de scooters traverser Paris comme dans les années 50 ou 60, une grosse foule, on va dire, plus d'une centaine de scooters qui traînent dans les rues comme à l'époque, je pense que pour les gens, ça a un caractère un petit peu de réminiscence, de se dire, bon, quels sont ces engins qui fument? Est-ce que c'était vraiment comme ça à l'époque? Et c'est un plaisir, je pense, pour les yeux, pour tout le monde, oui. Pour nous, encore plus. Il est là. Le tour des scooters était vraiment le tour du 11e arrondissement par les grands axes. Ouais. En fait, on a fait tout le tour du faubourg. Voilà, mais c'était très sympathique comme petite balade. Pour une première. Voilà, bonne petite balade, c'était sympa.
J'hésiterai pas à revenir. Allez, à la prochaine. Moi, je suis parti du Cigale Scooter Club, donc on a fait l'île Paris en scooter. Une grosse partie, parce que bon, il pleuvait, donc on n'a pas non plus. On s'est pas trop mouillé, mais on a fait plus de 150 km. Donc moi, j'en ai fait 70 avec l'IWL, et on est vachement content d'être là. Ce matin, on a fait un bon petit tour dans Paris, c'était super. Bah, un grand merci à Philippe, mais Philippe, on va dire que c'est le boss hein, du scooter, on va dire ça, hein, parce que c'est quand même la référence. Salut à tous, Jean Do, on arrive de Bourgogne, de Saône-et-Loire exactement. Je suis un grand copain de Fifi, collectionneur de scooters bien évidemment, scooters français, scooters bizarres. Et quand Fifi m'a dit on organise la finale de Vespa avec l'arrivée du n'importe où, alors il était évident qu'on allait monter pour voir Fifi, et en particulier avec nos engins les plus bizarres possibles. Je suis venu aujourd'hui avec un Bernardet de 1950. C'est un scooter qui fait partie des pionniers de l'événement du scooter depuis 1947. Il a été au même titre que Vespa et Lambretta parmi les tout premiers, et le Bernardet avec sa gueule fantastique est reconnaissable entre mille et fait partie des scooters qui sont les plus agréables à conduire, avec en plus un moteur 125 hydral, moteur fiable, robuste et puis en même temps très facile d'entretien. C'était absolument grandiose. Nous les provinciaux, quand on vient à Paris, c'est toute une expédition. Là on a traversé le cœur de Paris, des places fantastiques, des monuments exceptionnels, et tout ça avec une bonne humeur et toute une équipée de scooteristes. Vraiment un rassemblement sympa, on ne regrette pas d'être venu. Là je suis en charmante compagnie, je suis avec Martine, mais exceptionnellement je vais abandonner les belles brunes pour aller dans le magasin Fifi trouver mon bonheur. A tout à l'heure. Alors là, je suis venu avec un Lambretta Eli série 2, mais complètement restructuré, c'est-à-dire que j'ai mis un kit Imola 185 avec une boîte à clapet, avec un carbu de Delorto 30, le vilebrequin renforcé, la boîte de vitesse étagée, tout est renforcé. Voilà. Et il a été sur un banc d'essai en Irlande, il était chronométré à 142 km/h. Voilà. Ah bah, le plaisir c'était de rencontrer les années scooter. Voilà, parce que ça fait une dizaine d'années que je le connais, j'ai connu son père, et puis j'aime bien le personnage. Il me plaît beaucoup et j'ai voulu lui rendre un petit peu lui rendre visite. Voilà, ça me faisait plaisir de venir le voir aujourd'hui. Et on va s'éclater jusqu'au soir, peut-être demain, je sais pas, on verra. Voilà. Ouais, mets-la là. Tu veux, j'ai un cliquet. Attends, mets ta première. Tu vois, je savais qu'il avait son cliquet. Bah, j'arrive là, j'avais bloqué mon scooter à l'hôtel de ville et j'arrive. Les années scooter, crac. Oh, t'as un problème, génial. Attends, on va t'aider. Trop bien, on va te changer ta roue. Et hop, vous voyez, regardez là, ils arrivent et ils me changent tout. Hop, ils sont trois directions de scooter, j'ai rien demandé. Trop bien, quoi. Hyper bien, les années scooter, top top de la balle. Remets tout. C'est chiant d'en avoir. On sait plus. Alors moi je suis venu en fait avec le Calessino, c'est-à-dire le scooter qui est ici, que vous avez ici.
qui a la particularité d'être un trois places, c'est-à-dire on s'en servait pour promener les gens sur les plages ou sur les côtes. Donc il est de 1958. Et puis donc on est venu aussi avec le 1952, un modèle assez peu courant aussi, avec sa petite remorque. Et puis le Vespa Canon qui justement est qu'on ne trouve pas facilement, qu'on ne voit pas beaucoup circuler. Et puis je prends plaisir à circuler avec toutes ces machines. L'intérêt c'est de se retrouver entre bandes de copains, de passionnés, et puis d'échanger nos expériences. Ça fait du bien d'avoir des personnes comme Philippe qui organisent justement ce genre de manifestation parce que c'est à la fois pas évident et puis c'est beaucoup de travail. Ce fut un plaisir dans le quartier d'avoir une telle animation avec les commerçants, les associations et de voir pour une fois plus de 100 scooters alignés devant la boutique. En 25 ans de scène scooteriste parisienne, j'avais pas eu l'occasion de faire un défilé avec plus de 100 scooters. Voilà, c'est une chose qui est faite et nous remercions tous les collaborateurs et c'est à refaire et la prochaine fois on sera 200. Question carrosserie, il y avait ce qu'il faut. Hein. Ah ça c'est sûr. Hein. Ah puis les moteurs, t'as vu ça? Un petit peu. Hein. Ils donnent de la calandre. Ouais, des couleurs, des formes. Les formes. Super. Moi j'ai repéré les formes. Ah bah évidemment, ça ne m'étonne pas de toi. Moi j'ai repéré les carrosseries. Tout pour s'entendre. Ah bah oui. Oh c'était bien, et puis le défilé, t'as vu ça, et les Vespas, ça m'a rappelé mes 20 ans, c'est merveilleux. Ah non. Finalement, il en faut peu pour être heureux. Absolument, mon cher. Bah tiens.